Bonjour tout le monde, et bien je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour une unboxing. Et oui, vous savez le fameux jeu que j'attends depuis le mois début juillet. Je pense que c'est lui, enfin, parce que j'attends rien d'autre, donc je pense que c'est lui qui est arrivé, enfin arrivé. Et donc j'ai dit que j'allais vous faire profiter de l'unboxing. Alors, je suis munie de mes petits ciseaux. Alors, ah oui, il faut vous dire que pour ceux qui savent, qui n'ont pas vu ma vidéo précédente, j'avais commandé ce jeu donc début juillet. Je sais qu'il fallait compter un bon mois, et puis au bout de 2 mois, j'avais toujours rien, donc j'avais pris contact avec la personne qui me l'avait envoyé, l'auteur du jeu. Et elle m'avait dit qu'elle me l'avait envoyé déjà et qu'elle me retournait, parce qu'il était revenu chez elle, comme quoi, pas de client connu. Et donc c'est pour ça que j'ai une boîte dans une boîte en fin de compte. Parce que voilà. Donc elle me renvoyait le paquet aussitôt qu'elle l'a reçu. Donc je rouvre le deuxième. Il est très bien scotché. Hein. Alors je vais mettre les lunettes parce que. Apparemment, il venait d'où? Je crois que j'ai vu, il me semble que j'ai vu Russie. Brésil. Brésil. Donc il vient du Brésil. Hop. Et voilà. Ah, il y a une petite pochette avec. Donc voilà l'objet du délit. alors la petite pochette. Ah, par contre, je vois qu'il y a... Il y a deux jeux. Alors par contre, je ne sais pas pourquoi il y a deux jeux. Alors je ne sais pas. Je vais déjà ouvrir le plus grand. Hop. Esmeralda, Brésil. D'accord. Donc ça c'est la carte, je sais pas si vous voyez bien, voilà c'est la carte de présentation. Ah ok, super, donc celui-là c'est vraiment le Lenormand. Donc alors voilà comment se présentent les cartes. Alors là il y a deux cartes de cavalier. Alors, je vous montre déjà la première carte de cavalier. Écoutez, en même temps je vais faire l'unboxing, je vais faire la review hein, puisque j'y suis. Donc vous voyez que on a le numéro de la carte en haut ici, avec ici la corrélation avec la cartomancie. Et en bas, on a aussi alors ce que ça représente. D'un côté, on a si c'est une carte qui est rapidité. Alors ici, on a un indice de rapidité. Vous voyez ici. Et ici, on a comme quoi c'est quelque chose qui arrive, un courrier qui arrive. Et si on regarde sur le côté de la carte, ici, on a le temps, c'est-à-dire ici, on a 1 à 2 jours. C'est un jeu qui est très, très complet. J'aimais bien parce que je trouvais que c'était un jeu qui était assez lumineux. Je suis en train de regarder que là, on a 2 cartes de cavalier. Donc, on peut choisir la carte de cavalier qu'on veut. Vous voyez, c'est des jeux qui sont très, un jeu qui est très coloré. J'aime beaucoup moi, le fait que ce soit très coloré comme ça. Donc ça c'est le cavalier. Le trèfle. Alors le trèfle c'est pareil, on a 2 cartes. Par contre je vois pas où... Je vois pas trop le trèfle sur la deuxième. Là je vois... Oui, le trèfle. Et là aussi, on a un autre trèfle. Alors apparemment, et par contre, voilà, ça n'a pas la même signification. Parce que là, je vois qu'on a un petit bonhomme triste. Donc, il faudra quand même que... Parce qu'apparemment, c'est vraiment la même carte. Mais il y a un trèfle joyeux, en fin de compte, et un trèfle triste. Il faudra que je regarde comment elle a marqué ses significations. Ensuite, on a le navire. Donc vous voyez qu'en dessous,
C'est pareil, on a d'un côté le chiffre avec la signification qui est de cartomancie. Et en bas, on a un côté, je pense que c'est peut-être aussi un côté peut-être le fait que suivant le côté où ça se trouve, là où je vois qu'il y a à droite, vous voyez par contre, par exemple pour le navire, ici on a un carton, donc ça peut signifier un déménagement, partir ou habiter au loin. Et l'autre côté, c'est plutôt les valises, faire les bagages, partir en vacances. Vous voyez, il y a... enfin, je pense, moi je l'interprète comme ça. On a toujours sur le côté, donc le jour, là actuellement c'est 3 jours. Donc c'est pour toutes les cartes pareil. Alors on a la carte de la maison qui est en double aussi. Donc on a une carte de maison, une en jour et une pendant la nuit. On a la carte du bouquet. Je trouve très sympa ces cartes. Les nuages. Alors, il y a d'un côté les nuages, d'un côté on a les éclairs, d'un côté on a le soleil. Ça peut être pas mal ce jeu-là pour les débutants aussi, parce qu'en fin de compte, suivant où se trouve la carte, on sait quelle signification on peut lui donner à la carte. C'est intéressant. Intéressant, oui. Le serpent. J'aime beaucoup les images. Le cercueil. Ça fait très... Brésil, mexicain, c'est un peu les couleurs hein, de chez eux, assez flamboyantes. Le bouquet. Ah, j'aime beaucoup ce jeu. La faux. Le fouet. Les oiseaux. Alors, les oiseaux, on a 2 cartes aussi. Alors, on a les corbeaux et les hiboux. Intéressant. J'aime beaucoup. Ah, j'aime bien. Les enfants. Le renard. Ah, j'aime un peu moins le renard. L'ours. L'étoile. La cigogne. Le chien. Elle a une bonne bouille, ce chien. La tour. Le jardin. Le mont. Les chemins. Je vais mettre la carte comme ça vous voyez un peu ses significations. Les petites souris. Le cœur. L'anneau. Le livre. La lettre, le consultant. Alors c'est marrant parce que on a un seul consultant et on a 2 consultantes. Je pensais qu'elle aurait mis aussi bien 2 consultants que 2 consultantes. Non, il n'y a que la consultante qu'on a en double. Le lys. Bon, j'aime bien le lys. Le soleil. La lune.
la clé. Du poisson. De l'encre. Et la croix. Elle est jolie cette croix. Donc là, vous avez vu les 36 premières cartes du Lenormand. Maintenant, je vais regarder ce que c'est que le petit paquet en plus, parce que ça, par contre, je ne savais pas. Donc, on va découvrir ce que c'est. Là, j'ai vraiment aucune idée de ce que ça peut bien être. Est-ce que c'est des cartes complémentaires? Je ne sais pas. C'est amusant parce que il y a plusieurs personnages. Alors je me demande si c'est pas je ne saurais pas vous dire ce que c'est exactement parce que j'ai beaucoup de mal à. Ça représente que les personnages. Alors je les montre quand même. Enfin, peut-être que je lis son petit livret pour savoir exactement à quoi ça correspond. Parce que je vois que là, il y a un oiseau en haut de la cape. Il y a, voilà, en haut, il y a l'oiseau. En bas, il y a un scorpion. Est-ce que c'est un jeu pour changer, peut-être pour changer la nature des cartes, je ne sais pas. Là, je vois qu'on a une dame avec un hibou. Ça représenterait les oiseaux. Là, elle a une cruche avec il y a un chien à ses pieds. Là, elle danse, tout simplement. Et là, vous voyez qu'il n'y a aucune annotation sur les cartes, donc je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. C'est plein de couleurs, par contre, c'est très beau, c'est plein de couleurs. Elles sont belles, ces cartes, même si je ne sais pas à quoi elles vont me servir. Mais il faut que je lis, je prends un petit livret, là, avec un oiseau, un colibri. Là, avec un chat, elle est en train de fumer la pipe. Là, alors, il y a le serpent. Est-ce que peut-être que ce sont des cartes où il n'y a aucune notation. Là, on voit la lune. Là aussi. Là, on a deux hommes. Là, on a encore deux. Ah, et là, c'est des hommes. Donc avec le papillon, là on le voit avec un papillon là avec des bijoux. Là avec des guitares. Là on voit des poissons. C'est peut-être pour pouvoir faire un autre jeu avec, je ne sais pas, peut-être. Là on voit avec une fleur. Dans les mains, là il y a un verre dans les mains avec on a le colibri comme on l'a vu sur votre carte aussi. Je sais pas, je peux pas vous dire. Après les cartes, les couleurs sont belles. Hein. Mais il va falloir que je lise un petit peu le livre par contre pour voir exactement à quoi correspondent ces cartes. Enfin, je suis contente d'avoir reçu enfin ce fameux jeu. Par contre, ben voilà, je ne peux pas vous dire à quoi correspond. Parce qu'en plus, ça c'est marqué tout en brésilien, j'ai l'impression. Donc, je vais avoir beaucoup de mal à traduire. J'espère que la formule traducteur iPhone va bien fonctionner. Ben, écoutez, je vous tiendrai au courant. Toujours est-il que je suis très contente. Je trouve très beau ce jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est très coloré. Il est agréable. Il est super joli. Bon, moi, je suis contente. Voilà, je vous ai fait un petit unboxing en même temps que je vous ai fait la petite review, hein, parce que je vous ai fait tout en même temps. Bon, j'espère que ça vous a bien plu, que vous avez bien aimé ce jeu. Moi, je le trouve beaucoup, beaucoup coloré. Moi, j'aime les choses un peu pleines de couleurs. Comme ça, c'est plein de gaieté. Moi, ça me plaît beaucoup. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.